Et foutez les pieds ici, sinon j'appelle les flics. Passe pas. Procureur Albertini, on m'attend. Ah, écoutez, je suis vraiment désolé, madame la procureure, mais comme on vous a jamais vu. C'est votre premier homicide? En tant que vice-procureur, oui. Vous pouvez dire à vos hommes de faire attention, vous allez me polluer la scène de crime. Plusieurs coups de couteau, portés à la gorge et au cou. L'un d'eux a tranché la carotide. Pas de trace de lutte apparente. La porte était intacte. Il n'y a pas eu d'effraction? Non. La victime s'apprêtait à partir en voyage. Oui, Clément Morin, le fils de la victime. C'est lui qui a découvert le corps. Et à côté, c'est Salia, sa petite amie. Monsieur Morin, toutes mes condoléances. Je suis la vice-procureure Albertini. Vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Oh, j'en sais rien. On devait partir pour Montréal ce matin, mon père et moi. J'étais à l'aéroport, je m'inquiétais, il répondait pas au téléphone. Alors je suis venu. Vous étiez avec lui, mademoiselle? Non. Clément m'a appelé quand il est arrivé ici. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Votre père avait des problèmes particuliers? Des ennemis? Je sais pas. Quelqu'un aurait pu lui voler une toile? Je sais pas, je les connaissais pas toutes. Je te jure, si c'est pour ça l'enculé, je le crève tout le temps. Calme-toi, mon chéri. On va le retrouver, le type qui a fait ça, c'est sûr. Hein? Oui, je vais saisir la gendarmerie, ce sont les meilleurs. Faites-moi confiance. Madame, on peut y aller? Bien sûr, bien sûr. On tiendra au courant de l'avancement de l'enquête. Allez, viens. On y va. On va rester ici. Paul, laisse-moi te regarder. Tu es superbe. La même qu'avant. Plus rien ne sera comme avant, Vincent. Albertini, vous ne pensez pas vous revoir si vite? J'appelle. Pour vous, c'est madame la procureure. Et ne me décevez pas, j'ai dit que vous étiez les meilleurs. Vous avez bien fait. Madame la procureure, j'ai avoir du mal à m'y faire. Cette fois-ci, vous aurez surtout du mal à lui piquer sa place. Mon colonel, vous qui êtes un petit peu collectionneur, le peintre François Morin, vous connaissez? Oui, un peintre médiocre. Mais maintenant qu'il est mort, sa cote va grimper, j'aurais dû acheter.
45 ans, veuf, un enfant. Il avait pas la cote, mais il avait de l'argent. Et côté famille? Il a une sœur à Montréal. Ah. Je vais l'appeler. Les billets d'avion, c'est sans doute pour aller la voir. Une chance qu'il ait pas fait tourner son lave-vaisselle, hein. On va savoir ce qu'il a mangé. Mais non, on a retiré les empreintes. Les empreintes. Avec qui il a bu un verre, avec qui il a partagé son dernier repas. Mais oui, mais si la personne n'est pas affichée. Ah. Vous pourriez arrêter de me coller comme ça, là, Vertier? Excusez-moi, mon capitaine, moi j'aime apprendre, hein, c'est tout. Ah, mon colonel, vous saviez que statistiquement dans les affaires d'homicide, c'est celui qui prévient la police qui a fait le coup? J'ai appris ça dans mon cours de psycho. Vertier n'a pas tort. Le fils Morin est en liberté conditionnelle. Il est sorti de prison il y a tout juste 3 semaines et c'est lui qui a appelé la police. Voilà, c'est ce que je disais. Oui, vous en occupez, bien sûr. Oui, oui. Je vous laisse, je vous rappellerai. Chapelle. Il y a une certaine Diane Delange qui est venue avec un dossier vous concernant, Chapelle. Oui, je sais. C'est un cadeau de Saint-Mathieu. Ne me blâmez pas. Je vais forcer un peu la main. Pourquoi? Je laisserai personne se mettre entre Spada et moi. Surtout pas vous, Chapelle. Depuis la mort de Malo, tout a changé. À l'heure actuelle, notre seule cartouche est Claude Berling. Alors vous la retrouvez, vous vous démerdez et vous me la livrez. Et si je ne la trouvais pas? Alors là, j'irai voir un certain Rémi Wagner en prison. Et je connais le chemin. Catherine? Bonjour. Ça va? Oui. Dis-moi, juste une drôle d'impression avec ton père. Il s'est passé quelque chose pendant que j'étais pas là. De quel genre de choses tu parles? Diane Delange. Tu connais? On y travaille ensemble, en fait. Diane, c'est une alliée précieuse contre Spada. Papa, t'imaginer des choses. Juste quand j'aborde le sujet, il le fuit. Mais mon frère Catherine, mon père, tu connais aussi bien que moi. Tu sais très bien qu'il y a des périodes comme ça où il se renferme complètement sur lui-même. Ça va lui passer. Bon, j'y vais. On m'attend en réunion. Il doit bien avoir un portable. Désolée pour le retard. Oui, il a bien un portable. Le seul problème, c'est que j'ai fouillé partout dans son appartement et j'ai rien trouvé. Moi, j'ai appelé sa sœur à Montréal. Elle attendait effectivement Morin et son fils. Le petit a dégoté un stage dans une boîte au Québec et elle devait les héberger. Malgré son contrôle judiciaire. Ouais. Le juge a donné son autorisation. Et le meurtre, elle en pense quoi, la sœur? Rien. Il a très mal vécu la mort de sa femme. Il s'est jamais occupé de son fils. Apparemment, c'était un artiste relativement égocentrique. Son séjour en prison n'a pas dû arranger ses rapports avec son père. Le gamin est tombé, pourquoi? Trafic de drogue, vol et recel. Il a refusé de balancer sa bande et a pris 3 ans ferme. Mon colonel, Clément Morin est en salle d'interrogatoire. Vous êtes sous contrôle judiciaire, vous n'avez pas d'alibi. Et c'est vous qui avez découvert le corps, soi-disant. Ça sent pas très bon, ça, monsieur Morin. Vous faites quoi, là? Pourquoi j'aurais tué mon père? Parce qu'il ne s'est jamais occupé de vous. Parce qu'il vous a abandonné. Et la prison, c'est de sa faute aussi, j'imagine, non? Vous avez fait un stage de psy avant de venir, c'est ça? Votre mère. Vous aviez quel âge quand elle est morte? J'avais 5 ans. C'était un accident de la route, mais je vois pas le rapport. Vous voulez en venir où, là? C'est bien ce que je dis. Votre mère aussi vous a abandonné, comme votre père. Va te faire enculer. Aïe, putain, lâche-moi! Aïe, putain, lâche-moi, enculé, va! Alors, t'avoues tout de suite ou je continue? Mais j'avoue rien, j'ai rien fait, d'accord? Mon père, c'était un artiste. Il pouvait pas s'occuper d'un gosse. C'est peut-être un enfoiré, mais je vais pardonner, d'accord? On peut pas comprendre ça? Y a rien à comprendre. T'avais toute la raison du monde de lui en vouloir.
Mon père, quand il est venu me voir au parloir, il a eu un déclic. Il a compris ce que j'endurais, d'accord? Voilà, il a voulu m'aider à m'en sortir, c'est tout. En te payant un voyage au Canada, ça efface toute l'ardoise, ça. Ouais, c'est le geste qui compte. Le geste. Ça va? Oui. On discute. On a tracé le portable de Morin. Il est sur Marseille, il se déplace. Eh ben, allez-y. Très bien, vous me tenez au courant. Ça va? Je suis comme Morin. J'ai l'impression d'avoir abandonné mon fils. Non, ça n'est pas comparable. Jules est chez mon frère. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ouais, il m'en voudra forcément un jour de l'avoir éloigné. Putain, ça me vénère de rester ici. Pourquoi on n'est pas déjà en Italie comme prévu? On attend que les choses se tassent. Putain, mais faut que je bouge, moi. C'est pire que la tôle, ici. Sans faire autour, si tu veux, moi, je m'en fous. J'ai eu mon blé. Et si tu te fais crever, j'y serai pour rien. C'est une blague, là, ou quoi? C'est tout ce que tu m'as trouvé à bouffer? Putain, c'était meilleur en prison. C'est là, ça vient de la voiture. Hein? Bérénice, t'as un sac en plastique, s'il te plaît. Merci. Tiède. Elle est à qui, cette voiture? C'est la voiture de la directrice. Élise l'a mis. Qu'est-ce que vous racontez? On va retrouver sous le siège avant. Vous connaissez un certain François Morin? Non, ça ne me dit rien. Écoutez, mon commandant, tout ça, c'est ridicule et j'ai pas le temps. Son fils Clément Morin a été incarcéré ici pendant 3 ans. Il est sorti récemment. Morin, c'est un nom courant. Il y a 1700 détenus ici. Mais moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai un mort sur les bras et c'est dans votre voiture. On a retrouvé son portable. Je garde ma voiture sur le parking de ma résidence. Des emplacements en plein air. Je ne ferme plus les portières. J'en avais marre qu'on casse les vitres pour me piquer des babioles à l'intérieur. Donc n'importe qui aurait pu le mettre là. Mais pourquoi dans votre voiture? Qui aurait intérêt à vous faire accuser? Jean-Marie Masson. Le chef du syndicat des gardiens de prison. Il mène une fronde contre moi depuis des mois. C'est-à-dire? Tous les moyens sont bons. Pour m'éjecter de mon poste. Intimidation, calomnie. Je me suis mis le syndicat à dos à cause d'une politique plus humaine en faveur des détenus. Formation, études, ça coûte cher. Les gardiens sont jaloux, ça tourne à la guerre des tranchées. Cette histoire de téléphone, c'est Masson. Dernière question. Qu'est-ce que vous faisiez mardi soir vers minuit? J'étais au cinéma, la dernière séance, toute seule. Bonjour, Jean-Marie Masson, c'est qui? Ah. Bonjour, commandant Saint-Mathieu. Vous lui reprochez quoi exactement à Élise Lamy? Mais vous plaisantez ou quoi? Pour elle, les détenus sont plus importants que les surveillants. On manque d'effectifs ici. On remplace jamais les arrêts maladie. J'ai encore un collègue qui s'est foutu en l'air, là. Et elle, elle paye des cours de soutien aux détenus. Ça, ça vous dit quelque chose? C'est pas à moi. Très bien. Donc on va pouvoir prendre vos empreintes, histoire de vérifier qu'elles sont pas sur le portable. François Morin
assassiné dans son atelier dans la nuit de mardi à mercredi. Vous connaissiez ? Non. C'est quoi cette histoire ? Et Clément Morin, ça vous dit quelque chose ? Ah ouais, ouais. Clément, ouais, je le connais. Ouais. Un petit con, ça. Une belle gueule. Vous faisiez quoi dans la nuit de mardi à mercredi ? J'étais avec deux collègues, on regardait le match à la télé. On est resté discuter, du coup je suis rentré tard chez moi, aux alentours de 3 pontes du matin. Je pense à un truc. Venez avec moi. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Voilà. On fait quoi avec ça maintenant ? Toi, t'appelles un taxi, je vais voir Albertini. Pourquoi est-ce que je vous paye, du con ? Ben, vous ne bougez pas de cette planque, c'est compris ? Voilà. Et vous lui dites que l'Italie, ben, c'est trop dangereux, trop risqué. Oui. Attends que ça se tasse, c'est ça. Le Terrier. Vous voulez voir, mon colonel ? L'avis de recherche de Play Berling, ça vous dit quelque chose ? Quelle créature Angela Fournier ? J'ai un indice qu'il l'a repéré. J'attends sa confirmation et vous irez la chercher. Pas un mot de tout ça, Saint-Mathieu, c'est compris ? Je pensais que c'était l'affaire de l'inspection générale. Je me fous de l'inspection générale. Pas un mot. Oui, mon colonel. Ah. C'est toi que je voulais voir. On a retrouvé le portable de Morin avec des traces de sang dans la voiture d'Élise Lamy. Élise Lamy ? Oui. Mais quel rapport avec le meurtre ? Justement, regarde. Tout est là. Elle a aidé François Morin à monter un dossier pour obtenir du juge la libération anticipée de son fils. Seulement le problème, c'est quand j'ai voulu l'interroger, elle a fait comme si elle ne les connaissait pas. Mais pourquoi ? Vincent, me dis pas que tu la crois coupable. Non, je te rappelle tout ce qu'on lui doit. Elle nous ment. Donc maintenant, il va falloir l'entendre dans un cadre beaucoup plus formel. Ok, je m'en charge. Je ne veux pas précipiter le mouvement. Ne suis pas sûr que Chapelle ait ta patience. Je l'emmerde. Élise Lamy est capable de se taire pour protéger un détenu qui mérite une seconde chance ou un truc comme ça. Je vais lui parler. Et concernant Spada, t'as du nouveau ? Non, rien. Justement, j'attendais que ce soit toi qui me parle et qui me donne les nouvelles de Chloé Berling. Soit elle est passée entre les mailles, soit elle se planque sans bouger. Dolores Spada lui a déjà mis la main dessus et elle est morte. Sans elle, tout est foutu. On n'a rien. Vincent, tu serais pas en train de te laisser intimider par Spada quand même ? Contente de vous revoir dans ces conditions, madame le procureur. Ça va ? Ça va très bien. C'est juste que... il y a des gens que j'ai pas oubliés. Qu'est-ce que je peux dire ? Félicitations, madame Albertini, pour votre nouvelle vie. C'est une chance incroyable. Merci. Je n'en serais pas là sans vous. Vous savez, moi aussi, recommencer une nouvelle vie, j'en rêve. Surtout en ce moment. Mes maçons ne réussiront pas à ruiner mon travail ni à m'éjecter. Les prisons françaises sont archaïques. Elles ne produisent que de la récidive. Tôt ou tard, l'administration comprendra que j'ai raison. Prochaine convaincue. Vous savez bien que je suis d'accord avec vous, madame Lamy. Mais je ne suis pas venue vous parler de ça aujourd'hui. Cette affaire de meurtre ? Je voudrais savoir ce que vous nous cachez sur les morts à père et fils. Je ne comprends absolument pas comment ce téléphone s'est retrouvé dans ma voiture. Admettons, mais il n'y a pas de hasard. Les enquêteurs ont découvert que vous connaissiez parfaitement la victime. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour me répondre. Et s'il y a quoi que ce soit qui vous gêne dans cette affaire, vous savez très bien que vous pouvez m'en parler. Au nom de tout ce qu'on a vécu. Bon, je connais les Morin, c'est vrai. J'ai vu le père visiter souvent Clément. Et c'est tout ? J'ai été touchée par cet homme, rongée par la culpabilité d'avoir négligé son fils.
Il avait tellement besoin de se racheter. Et vous l'avez aidé? Quelques coups de pouce pour Clément. Obtenir sa libération anticipée. C'est tout à votre honneur. Et pourquoi avoir menti aux enquêteurs? On pourrait me reprocher une forme de favoritisme envers Clément et... Et puis me retrouver au milieu de ce meurtre alors qu'une partie du personnel me conteste à la tête de l'établissement. J'ai paniqué. Je ne sais rien sur la mort de cet homme. Je vous supplie de me faire confiance. Comme moi, je vous ai fait confiance. Quand vous en aviez le plus besoin. Paul ? Non, non, tu ne me déranges pas, non. Tu as vu Elise Lamy ? Plus tard, d'accord, ok. Là, maintenant ? Ok, j'arrive. Lambert. Bonjour. Bonjour. Rédactrice en chef du Marseillais. Ah, flattée que vous me connaissiez, commandant Saint-Mathieu. Tu sais, Françoise a écrit sur moi, notamment première femme colonel. Ah. J'essaie de suivre la trajectoire des personnalités marseillaises. Comme Antoine Spada. Mieux. Henri Spada. Elle écrit sur les grandes fortunes de France. Une mine pour nous. Je connaissais bien Henri. Enfin, disons que je l'ai beaucoup interviewé. Et d'ailleurs, sa mort me paraît suspecte. Mais il a eu une attaque et il est mort d'une embolie pulmonaire, j'ai vérifié. C'est le médecin de famille qui a signé le permis d'inhumer, il n'y a eu aucune autopsie. Et c'est Antoine qui a découvert le corps. Il a appelé son médecin. Et donc il aurait tué son père, mais... Pour quel motif? Aujourd'hui, il se retrouve seul à la tête de l'empire familial et notamment de la compagnie de transport maritime. Ça y est, ta femme est rentrée, tu vires les intérimaires? Non, ça n'a rien à voir. Entre nous, tout a été un petit peu précipité, rien n'a vraiment commencé. C'est un accident, c'est ça? T'as fait une grosse bêtise, puis maintenant que maman est rentrée, tu t'en mords les doigts? Diane, ne prends pas les choses comme ça, je t'en prie. Je n'entrerai pas dans ce jeu-là. Ok. Ok, je comprends ce que tu ressens. Arrêtons là. J'ai adoré ce qui s'est passé entre nous. Je suis pas contre un plan cul de temps en temps. Arrête. Arrête. Vincent ? J'ai bouclé l'enquête sur Rémi Wagner. J'ai même des preuves. Bien. D'ailleurs, il faudrait que je te parle des Spada. Allons manger un morceau, t'as pas faim ? Non, il vaut mieux que je rentre. On verra ça plus tard. Vincent ?
Je suis pas sûre que ta Catherine apprécierait que j'aille la voir. Ni ton chef Chapelle. Notre histoire, ça serait du pain béni pour lui, tu crois pas? Notre histoire? Et quelle histoire? Tu restes gentille avec moi, ok? J'aime pas me faire jeter comme un Kleenex. La présomption d'innocence, vous connaissez, messieurs? Élise Lamy est une personne précieuse pour le système pénitentiaire. C'est une grande directrice. Élise Lamy est une menteuse et je ne lui fais pas confiance. Maintenant, si vous souhaitez la protéger, c'est votre choix. Je veux la vérité autant que vous, Chapelle. Alors allez-y, faites votre boulot. Mais pas de gâchis inutiles. Ok, on s'en occupe. Mais s'il te plaît, Paul, laisse-nous faire. C'est madame la procureure. Oui, Bérénice. C'est quoi l'ordinateur de l'atelier? T'en es sûr? Ok, merci. Paul! Je suis désolé. Il faut perquisitionner au domicile et au bureau d'Élise Lamy. Je te demande pardon? Elle était la maîtresse de la victime. Je veux mordre le bout de tes seins. Je veux les lécher, les sucer. Je veux t'entendre gémir. Je te veux tout entier. Oh, j'ai tout lu, ça m'a bouleversé. Roméo et Juliette. Roméo, c'est le pseudo de François Morin. Son ordinateur est rempli de mails torrides. Vous voulez les lire? Je les connais tous. Ce qui nous a surpris, c'est l'adresse IP de Juliette. C'est la vôtre, madame Lamy. Et alors? J'ai le droit d'avoir une vie amoureuse comme tout le monde, non? Bien sûr. Mais il ne faut pas égorger son Roméo. Vous dites n'importe quoi? Je reconnais que j'ai pas facilité votre enquête, j'ai eu tort. Je protégeais trop ma vie privée. Mais je réfute toute implication dans le meurtre de François Morin. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue, madame Lamy. Pour le meurtre de François Morin. Un avocat? Non. Vous allez vite comprendre que vous avez tort. Vous voulez que je prévienne le colonel Chapelle? Non, ce ne sera pas nécessaire, je connais bien la maison. Allez plutôt chercher les clés de la cellule. Bonjour, Élise. Ça va? C'est fou comme la retourne. Nous nous retrouvons exactement dans la situation inverse. Vous êtes libre. Je suis prisonnée. Vous n'êtes pas emprisonnée. Vous pouvez faire cesser cette garde à vue quand vous voulez. Vous refusez de vous expliquer. Le crime passionnel, ça vous parle, Élise? Oh, crime passionnel. C'est pas ce dont on vous accusait à tort, madame le procureur. Maintenant, ça suffit, Élise. Je dois savoir. Quoi que vous ayez pu faire? Je n'ai commis aucun crime. Sauf celui de tomber amoureuse. Désespérément amoureuse. Merci. Amoureuse de François Morin. Roméo, c'est pas François Morin? Tenez. C'est l'adresse de la planque de Chloé Berling. Vous irez la chercher quand je vous le demanderai, vous la ramènerez ici. 17 traverse de la calade au dernier étage. Et vous continuez à la boucler, le terrier. Coucher avec un détenu dans l'exercice de vos fonctions,
Vous êtes une personne dépositaire de l'autorité publique, Élise. Vous êtes la seule à pouvoir me comprendre, me jugez pas trop vite. Mais c'est pas une simple faute professionnelle, c'est un abus. C'est puni par la loi. Au début, j'ai cru que c'était une sorte de réflexe maternel. Clément n'avait rien à faire là, il était perdu. Et puis, j'ai fait des drôles de rêves. Je comprenais pas, c'était... Ça n'avait rien à voir avec l'instinct maternel, c'était... plus fort. Plus profond. Vous réalisez que cette confession, ça vous rend deux fois plus suspecte. Est-ce que François Morin a emmené son fils à Montréal pour vous séparer par hasard? Mais non. Clément et moi, on se serait retrouvés au grand jour d'ici quelques mois. Et puis maintenant que vous savez, ça me donne au moins un alibi. Vous avez passé la nuit ensemble? Mais nom de Dieu, Paul, elle est en garde à vue! Tu ne commandes plus ici. Ici comme au palais, les décisions me reviennent, commandant Saint-Mathieu. Et on peut savoir quelle est votre stratégie? Élise Lamy est innocente, elle a un alibi. Il suffit de la confronter à Clément Morin. Vous pouvez faire ça, non? Maintenant, l'autre solution, c'est de dessaisir votre cellule. Depuis le début, vous êtes à côté de la plaque, messieurs. J'ai l'impression qu'elle n'a pas fini de me faire chier. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. C'est fini. Le cauchemar est fini. Quoi, tu leur as tout dit? Vous étiez où dans la nuit de mardi à mercredi? Dis la vérité. Chez Élise. On a passé toute la nuit ensemble. La dernière avant quelques mois. Je partais le lendemain au Canada. Tout cet amour, ça donne envie de vomir, non? J'oublie l'abus d'autorité et l'entrave à l'enquête. Ça effacera notre dette, madame l'ami. Il n'y aura pas de prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est trop tôt pour qu'on nous voit ensemble. Hein? D'accord. J'espère que vos sentiments envers Élise sont sincères. Que vous ne l'avez pas juste utilisée pour votre libération anticipée. Pourquoi vous dites ça? À cause de la différence d'âge, c'est ça? C'est à cause d'une certaine Salia que j'ai croisée chez votre père. Vous aviez l'air très proche. Élise est au courant? Avec Salia, on se connaît depuis le collège. J'étais maquée avec elle avant la prison, c'est tout. D'accord. Et vous osez pas lui dire que c'est fini. C'est ça? Si, mais elle veut pas l'entendre. Moi, c'est Élise, la femme de ma vie. J'ai jamais connu ça avec personne. Salia, c'est le passé, moi. Les embrouilles, le business, j'en veux plus de tout ça. Alors, si je puis me permettre, prenez votre courage à deux mains et allez parler à Salia. Ouais, vous avez raison. Je vais lui parler. Je veux juste pas faire de mal à Élise, c'est tout. Bon, merci. Au revoir. Au revoir. Et vous les avez crus sur leur bonne mine? Eh bien oui, Paulin, ils n'ont pas menti cette fois. Et la vice-procureure a tranché, c'est tout. Sauf qu'on ne peut toujours pas expliquer la présence du portable dans la voiture d'Élise Lamy. Bon, il y a d'autres choses dans le dossier d'enquête? Masson, celui qui en veut à la directrice. Les soupçons d'Élise Lamy étaient peut-être justifiés. Mais pour que tu aies Morin, le père d'un détenu, c'est n'importe quoi. Le Terrier, vous avez trouvé des empreintes sur la scène de crime? Oui, partout, mais aucun résultat. Aucune ne fait partie des fichiers. Bien, Saint-Mathieu, vous vous remettez au travail et vous me trouvez quelque chose. Merde! Catherine, attends. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fuis? Tu réponds plus au téléphone. Mais tu sais pas pourquoi? T'as même pas une petite idée? Allez, t'emmerde pas, je sais déjà tout. On m'enlève! J'ai failli mourir! Et pendant que je garde ton petit-fils, toi, tu t'envoies en l'air avec cette pute! C'est dégueulasse. Je sais plus où j'en suis, Catherine. Malo est mort, ma fille va droit dans le mur. J'ai plus personne avec moi. Alors oui, j'ai merdé, voilà.
Mais je veux pas te perdre. J'en ai marre des problèmes de Saint-Mathieu. Tu détruis tous ceux qui t'aiment, Vincent. Alors regarde-moi bien. Regarde-moi bien, parce que c'est la dernière fois. Après la rigidité cadavérique, la mort remonterait à 4 heures du matin. Se faire écraser sur une avenue aussi large et déserte, pas de traces de freinage, difficile de croire à un accident. Faut que je te parle, Vincent. Clément, il avait une petite amie avant de purger ses 3 ans de prison. Depuis sa sortie, elle s'accrochait. Une certaine Salia. Salia Amani, je crois. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Et ça t'aurait servi à quoi de le savoir? Tu m'expliques? Clément devait passer la voir hier soir. Pour lui dire que c'était fini entre eux. Et donc elle lui aurait fait une scène de jalousie, elle se serait vengée? Remarque, ça se tient. Je dois appeler Lise. Je sais pas comment je vais lui annoncer ça. Mais oui, Juliette, ça devait mal finir. Sur Salia, j'ai rien dans les fichiers. Je sais même pas où la trouver. Par contre, elle a un frère, Mehdi Amani. Ok, merci. Je viens d'avoir les stupes. On m'a parlé d'Amani au procès de Clément Morin. À tous les coups, il fait partie de la bande qui n'a pas voulu dénoncer. On sait où les trouver? Ils sont dans un squat, à 2 pas des lieux de l'accident. Je demande l'appui d'un groupe d'intervention. Le mec, il a dessous, t'as vu, là. Le mec, il est devenu millionnaire. Ah, ça nous l'a pas dit, hein. Il a mis une maison, au bord de la mer. Oh, la mer. 200 mètres carrés. C'est qui, ce mec? C'est un ami d'un ami. Et on était chez lui, tranquille, et tout, t'as vu, on passait une bonne soirée, on buvait. Bon, bref, à la fin, quand on s'est fait chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fouillé. T'as fouillé? Il nous a fouillé. Écoutez, encore un bon appel. Tu vas bien? Ils sont là-bas. Putain, mon capitaine, vous avez une sacrée gueule. Je sais pas comment on trouve le bleu réglementaire. Ouais. Le terrier. Faites ça en douceur, je compte sur vous. Absolument. Bien, allez-y, messieurs. C'est bon. On y va, les gars. Des enfants sont mis en rien là. Des enfants? Ouais. Attends, mais c'est quoi? Tu connais de l'argent là, tu rien à foutre. Tu connais des bâtards, tu connais des bâtards. C'est pas mon ami, hein. C'est l'ami de mon ami. C'est ça qu'il faut bosser. Là, tu m'as grillé. Hein. Eh ben, pour les petits trafiquants. Bien. Je vous écoute. Oh, t'emmerdes, bâtard. Oh putain, aïe! T'es pas manqué de respect, moi. J'attends la même chose de toi, c'est compris? Laissez-le, putain. Vous avez pas le droit, on va porter plainte! Je m'en fous de vos petits trafics. Ce que je veux, c'est celui qui a écrasé Clément Morin. Les autres, je les relâche. Bon. Mais vous allez tous plonger, alors? Meurtre? Complicité de meurtre?
Mademoiselle, d'après vos papiers, vous avez une voiture. Je l'ai pas volée. Vous pouvez vérifier. Vous deux aussi? Elles sont au labo, vos voitures. On les regarde de très près. Bien, mettez-moi ces petits trous du cul en cellule. Sauf elle. Oh, qu'est-ce que vous faites, là, ma sœur? Vous avez pas le droit, là. Oh! La garde un peu. Asseyez-vous. Vous êtes notre suspecte numéro un, mademoiselle. Je peux vous mettre en taule jusqu'à la fin de vos jours. Va te faire enculer. C'est pas vrai. Clément, je l'aurais jamais tué. Je l'aimais depuis toute petite. Très bien. Alors donne-moi le nom du coupable. C'est ton frère? Un des trous du cul, là? Si je le savais, je vous jure que je l'aurais déjà fait bouffer ses couilles. Ou alors c'est toi. Par jalousie. Parce que Clément Morin ne s'intéressait pas à toi. J'y ai jamais cru à son histoire avec la vieille, là. Raconter des histoires. De toute façon, je l'aurais récupéré. Allez-y, hein. Foutez-moi en tôle. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre maintenant qu'il est mort. Alors, les empreintes? Négatif, sauf une, retrouvée sur un verre dans le lave-vaisselle chez Morin, celle de Salia Amani. Ce qui veut dire qu'elle était présente chez François Morin peu de temps avant le meurtre. C'est elle qui a tué le peintre. Par contre, pour Clément Morin, l'examen des véhicules de la bande n'a rien donné. Eh ben, cherchez mieux, Paula. C'est vous qui avez tué François Morin. Vous avez ramassé son portable. Et vous l'avez mis dans la voiture d'Élise Lamy. C'est des conneries, tout ça. Vous n'étiez pas chez François Morin? Si, mais... on a parlé, c'est tout. Qu'est-ce que vous pensiez de ce voyage au Canada? Connard, c'était de notre faute si Clément s'est tapé de la tôle. C'était facile. Comme ça, il se sentait moins responsable. Mais c'est lui qui l'a foutu en l'air, Clément. Et il voulait que je m'écrase comme une merde et que je lui rende son fils. Seulement, Clément était très content d'avoir retrouvé son père. Et de partir avec lui. Donc, il ne restait plus qu'une chose à faire. J'ai rien fait. On a retrouvé vos empreintes chez François Morin. On cherche sur son portable. On va trouver, Salia. De quel droit il se mêlait de la vie de Clément, ce connard? Il n'en a jamais eu rien à foutre. Il l'a laissé à la dérive complète. Moi, je m'en suis occupée. C'est pour ça que vous l'avez tué? Je l'ai fait pour nous deux. Pour le garder avec moi. Parce que je l'aime. Et Clément? Ça s'est passé comment? Non. François Morin, ok, c'est moi. Hein. Je veux bien l'avouer, de toute façon, il n'y a plus rien qui compte. Mais Clément, j'y suis pour rien. Personne ne vous croira. On a retrouvé ça dans la poche de Clément Morin. À l'intérieur de cet anneau, il est gravé Élise et Clément. Il vous l'avait montré? C'est pas elle.
J'ai retrouvé de la peinture jaune sur la boucle de la ceinture. Jaune comme la voiture d'Élise Lamy. Entrez, je vous en prie. Merci. Madame la procureure. Major, je vous en prie. On me dit que le dossier Rémi Wagner n'a pas bougé. Vous le bloquez ? Pas du tout. Et vu la gravité, je dois en référer au garde des Sceaux. Un parfait imposteur à la tête de la cellule d'investigation criminelle. Vous serez d'accord qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état ? Bien sûr. Vous avez bien travaillé, Major. Toutes les preuves sont là. Vous avez vu, il n'y a plus aucun doute sur la véritable identité du colonel. La légende de Thierry Chapelle a été fabriquée de toutes pièces à partir du dossier d'un adjudant de Nancy qui, en réalité, est mort en Bosnie. J'ai bien compris. Je vous tiens au courant. Et Major, ne doutez pas de ma volonté de faire avancer l'enquête. Chapelle ? Oui. On a des nouvelles de Chloé Berling ? Pardon ? J'y vais. De peinture de votre voiture sur le corps de Clément. Les analyses ont confirmé. Pourquoi vous avez fait ça, Élise ? Vous aimiez ? J'étais malade de jalousie. Depuis le début, Paul. J'étais si jeune aussi. Comment j'allais le garder ? Vous imaginez dans 10 ans ? Dans 20 ans ? On souffrait déjà. Pourtant, il vous avait parlé de ça, Léa, c'était clair. C'était plus fort que moi. Je l'ai pillé, je le suivais. Quand je l'ai vu chez ce bijoutier et après, aller directement chez Salia, j'ai compris. J'ai compris que je m'étais faite avoir par un gamin. Il vous aimait. Épargnez-moi, je vous prie, les menottes devant mon personnel. Je vais vous suivre. Je peux juste aller prendre mon sac. Bien sûr. Thank you.
C'est fait. Samedi prochain. On s'est tous fait avoir par Spada, mais la partie n'est pas finie.